Alors au début avec Christophe, on s'est dit tiens, on va faire une chanson avec Carole. C'est une fille super. Elle est marrante et elle écrit des poèmes. Et puis j'ai dit, si on faisait un truc avec Carole et des scaroles, on a rigolé pendant une semaine. Mais ça faisait un peu léger comme concept. Et encore après, j'ai dit, eh ben, on va faire quelque chose avec Lewis Carroll. Et là, j'ai acheté la perruque de Princesse Manga sur Internet. Christophe a acheté le masque de lapin dans un magasin de farce à trappe. On a tourné à Lorient et à Erdeven chez Véronique. C'était l'été, il faisait chaud. C'était un peu pénible avec la perruque, mais bon, Christophe, dès que c'est pour un film, il ferait n'importe quoi. Évidemment, on savait pas du tout quoi raconter sur ces images. Alors, quelques mois plus tard, on a discuté avec Christophe. Et on s'est souvenu de cet homme, de cette femme, qu'on voyait parfois dans la rue à Chartres. Elle était grande, maigre, avec une jupe, des cheveux longs, des jambes abîmées, des talons hauts. Elle marchait droit, le visage sévère, le pas fragile sur ses talons. Est-ce qu'on peut faire une chanson sur les transgenres, en n'y connaissant que dalle, sans vocabulaire, sans référence, sans avoir embrassé quelqu'un qui n'est ni l'une ni l'autre, sans une visite chez la psychologue? Avec rien que des normopathes chez nos potes et nos copines, ça va être chaud. On va encore passer pour des blaireaux. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on reste avec ce regret. On lui a jamais dit bonjour, on lui a jamais demandé comment tu t'appelles, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton histoire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aime, ou juste tout va bien, on va boire un verre quelque part. Alors peut-être, ce film, cette chanson.